Émilie Attef, bonjour. Bonjour. Donc, nous avons découvert votre film Trois jours à Quiberon lors de la Berlinale, film qui doit être très médiatisé en Allemagne, je suppose. Oui. Parce que déjà, on parle de Romy Schneider, hein, Oui. Romy Schneider, du coup. Oui. Et quand on découvre ce film, déjà, on apprend des choses que quand on est en France, on ne sait pas forcément sur la relation qu'avait Romy Schneider avec le public allemand. Est-ce que Oui. vous pensez qu'on est venu vous chercher justement parce que vous avez une culture un petit peu transverse, parce que vous avez une nationalité franco-irano-allemande, si je ne me trompe Non, pas? franco-iranienne, née à Berlin. Après, on est parti aux États-Unis et après, à partir de 13 ans, en France. Donc, j'étais à partir de 13 ans dans le Jura. Et après le bac, j'ai été à Paris. Donc, oui, ça aide, bien sûr. C'était l'idée d'un producteur français, Denis Poncet. Marie Bohème, l'actrice, comme Romy, est très francophile et vit depuis 10 ans en province. Et c'est Denis Poncet qui a eu l'idée de faire ce film. Et elle a accepté, parce que c'était pas un biopic, mais que 3 jours. Et ils se sont rendus compte, enfin, le producteur s'est rendu compte que c'était quand même un film allemand, parce que c'était la dernière interview allemande de Romy Schneider avec le Stern, et que ce serait en langue allemande, avec des acteurs allemands, même si on tournait à Quiberon, avec aussi d'autres acteurs français. Et donc, ils sont venus dans l'agence de Marie, demander à mon agent qu'est-ce qui pourrait l'être. Et comme j'étais là-bas, elle a dit, Émilie aussi. Bon, ça a aidé que j'étais moitié française pour communiquer aussi, pour être avec, pour tourner déjà en France, mais surtout pour communiquer avec le producteur. Mais aussi, j'ai fait pas mal de films qui parlent de femmes et et aussi de femmes en crise qui essayent par tous les moyens d'en sortir. Et donc ça, c'était aussi une raison pour laquelle ils m'ont demandé de faire ce film. S'attaquer au mythe Romy Schneider, c'est pas quelque chose de facile, comme s'attaquer à n'importe quel mythe, c'est pas quelque chose de facile. Il y a deux écueils possibles. Le premier, c'est de tomber dans le sacrilège, ou alors au contraire, de trop se retenir, de prendre trop de précautions. Et donc, qu'est-ce que vous êtes autorisé, mais aussi qu'est-ce que vous êtes refusé, alors à tout niveau, en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes de direction d'acteur, qu'est-ce que vous, voilà, où vous mettiez la limite? Pour moi, la première chose quand ils m'ont proposé ce film, c'était de voir. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les photos de Robert Debeck, les photos qu'il a prises pendant ces 3 jours. Et sur ces photos, j'ai pas vu le mythe ou la diva, la star, Romy Schneider. J'ai vu la personne, la femme, la personne. Oui, c'est Romy Schneider. C'est une des plus grandes actrices françaises, allemandes, mais bon, elle vivait en France. Mais c'était cette personne qui m'a touchée. Et en lisant l'interview de Michael Jürgs du Stern, son dernier interview allemand, elle en donnait très peu des interviews allemands, et c'était un interview qu'elle voulait donner pour finalement vraiment parler au public, pour démystifier son image allemande, autrichienne, où tout le monde la prenait encore absurdement pour une impératrice de 15 ans. Enfin, c'est ridicule. Elle en avait 42. Elle s'appelait Romy Schneider et pas Sissi. Pour finalement pouvoir dire, arrêtez. Je suis pas Sissi, je suis une femme de 42 ans, je suis malheureuse, je m'appelle Romy Schneider. C'était ça, ce qu'elle a dit. Donc c'est ça qui m'a intéressée. Donc
comme je voyais pas le mythe, j'avais pas peur de briser le mythe. Parce que quand on lit cette interview, il est tellement pas filtré, il est tellement brut et tellement dans une vérité et même pas du tout. Elle dit des choses tellement intimes dans l'interview qui a été lu 1 million de fois, qui tout de suite en 80 il a été, c'était incroyable. Et non, ce qui était très très important pour moi, par contre, c'est une censure personnelle, parce que personne m'a censuré, ni le photographe, ni même Michel Jux, même s'il est même pas vu dans une très belle lumière, il m'a laissé complètement libre, ni le Stern, ni personne. C'est 1981 était une année très 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 difficile pour Romy. 2 mois après cette interview, son fils meurt un an plus tard, plus ou moins. Elle est plus là. Et je voulais pas finir le film avec dans le noir. Je voulais finir, trouver un angle pour finir le film avec un tout petit peu d'espoir et de paix en elle. Et en fait, c'est Robert Lebecq qui m'a raconté que quand il est venu à Paris pour lui apporter cette interview, elle jouait avec sa fille. Il a très souvent pris en photo, mais il l'a jamais vue aussi calme, aussi sereine, aussi en paix avec elle-même, aussi belle, a-t-il dit, que cet après-midi. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai ma fin. Et même si 2 mois après, peut-être 1 mois après, peut-être 3 jours après, c'est le chaos qui finira pas, personne peut lui prendre ça. Cet après-midi de calme et de sérénité, ou peut-être plus longtemps. Le film tient sur un fil quelque part. Il est vraiment très équilibré. Vous faites attention à équilibrer les rires et les larmes, le plus souvent les juxtaposer. Alors, ça, c'était sa personnalité ou sa maladie ou son état d'âme. Mais du coup, ça demandait certainement une écriture assez ciselée. Vous deviez faire attention à pas trop grossir le trait, à rester toujours en dedans, à en remettre. Donc je suppose qu'il y a eu beaucoup de réécriture. Et sur qui vous êtes appuyé pour trouver la bonne note? Oui, beaucoup de réécriture. J'avais des dramaturges qui m'ont aussi aidé. Je le donne à lire, le scénario. On le donne à lire à des partenaires, à des gens qui sont à qui on a confiance en tant que scénariste. Ça, c'est très important. On peut pas le donner à tout le monde parce que sinon on s'y perd. On a besoin d'avoir toujours autour de soi 2 ou 3, 4 personnes dont on fait confiance et qui connaissent aussi, qui veulent pas refaire leur histoire, mais qui connaissent aussi un peu l'endroit où on veut aller et qui aident aussi et de discuter. Et ça, c'est un long procédé de la première idée jusqu'au scénario qui sera le film. Et après, dans le tournage, change encore plein de choses. Le scénario, c'est une fondation comme d'une maison. Et après, c'est moi qui fais le décor avec les acteurs. On change des choses, on réécrit. Et après, dans le montage, encore une fois, je jette plein de scènes, je les manipule pour après devenir le film qu'il est. Et donc, parce que vous étiez 2 quelque part à réécrire Romy Schneider, vous, mais aussi Marie Baumer. Elle la connaît forcément sur le bout des ongles malgré elle. Donc, est-ce qu'il y avait des divergences de point de vue sur comment retranscrire Romy Schneider ou pas entre vous ? Non. Marie, enfin, on a beaucoup, beaucoup parlé, et pas de Romy. Pour nous, c'était important. Bien sûr, on a parlé de Romy, on a vu des films et tout ça, mais pour nous, c'était important. On voulait pas imiter Romy. Bien sûr, ça parle de Romy. Ça pourrait aussi parler d'une autre actrice, une très grande actrice. Bien sûr, c'est Romy, mais ça parle aussi d'une femme en crise, et c'était ça qui était important. Pour moi et pour Marie, on n'essayait pas d'imiter qu'elle bouge exactement comme elle, il fallait qu'elle oublie ça, et qu'elle soit cette femme.
pendant ces 3 jours. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce tournage en Bretagne, de Denis Lavant en acteur breton, du coup, mais aussi des conditions de tournage? Non, mais ça c'était le top de tout ce projet durant le tournage, c'était de tourner à Quibon. C'était merveilleux, on voulait tous pas quitter le lieu, quoi. Parce que c'était, en plus, c'est exactement comme... C'est merveilleux parce qu'il y a tellement de protection de la nature en Bretagne aussi, de construire avec sur la côte qu'on n'a pas le droit de construire. Donc, toutes les images de Robert Lebecq en 81, je les ai retrouvées. L'hôtel Sofitel, mais c'est exactement pareil de dehors. Les falaises étaient les mêmes. Donc, pour une réalisatrice, mais c'est magique, c'est merveilleux. Les gens étaient formidables. Il y a des gens dans l'hôtel à Quibron qui étaient là. Qui était là quand Romy était là. Donc pour moi, c'était formidable. C'était une énergie de savoir qu'elle était dans cet hôtel. On a tous dormi dans cet hôtel. Qu'elle était là, qu'elle se promenait là, qu'elle allait dans ce diététique. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça nous a inspiré en tant qu'équipe et les acteurs et Marie et moi en tant que réalisatrice. Ça s'est formidablement bien passé là-bas. Et avec Denis Lavant, c'était un rêve. Je suis un fan de Denis Lavant, des films de Léo Carax. J'ai vu Denis Lavant quand je vivais à Paris, dans les années 90, début 90, au théâtre, et de lui proposer ce rôle de 3 jours, et qu'il accepte, c'était formidable. Il a apporté énormément à ce film et à ce rôle. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.